Yo les druides, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un jeu de cartes. À ton avis, c'est lequel? Eh ouais, Kart Racer, Nickelodeon, Slime, Speedway. Donc avec Bob l'éponge, Garfield, les Tortues Ninja et tout ce que tu veux. Tout ce qu'il y a actuellement sur Nickelodeon. Le jeu est disponible sur l'eShop à 49,99€ en dématérialisé. C'est dingue, c'est beaucoup trop cher. Allez, c'est parti pour Nickelodeon Kart Racer Slime Speedway. C'est la première fois que je le lance. J'y ai jamais joué avant. On va voir un peu ce que ça donne. Il est aussi disponible sur Steam. Il est à cher aussi. Il est à 49,99€ et 59,78€ sur Steam, sur PC. Pour les joueurs PC, il est vachement cher. J'espère pouvoir, pour ceux qui jouent sur PC, l'avoir un peu moins cher. Au niveau du jeu, qu'est-ce que je peux vous dire? Le jeu est sorti depuis le 14-10-2022. Classe d'âge Peggy 3. Au niveau des manettes, Pro Controller et Joy-Con, il n'y a pas de problème. Au niveau des langues, allemand, anglais, français, espagnol, néerlandais, italien, impeccable. Et la taille installée sur la microSD fait environ 6 gigas. Et au niveau du jeu, on va voir ensemble ce que ça donne. Appuyez sur le bouton pour commencer. Magnifique. Recréer et repenser de zéro. Nickelodeon Kart Racer revient plus grand et meilleur que jamais. Utiliser plus de 40 personnages iconiques pour déraper, glisser et accélérer jusqu'à la ligne d'arrivée des circuits inspirés par la série légendaire de Nickelodeon. Comme SpongeBob, Bob l'éponge pour nous. Donc là, on est sur un didacticiel impeccable. Donc là, j'accélère sur avec ZR. Ok, appuyez pour freiner sur Y. Ah, c'est pas très... c'est pas ouf, hein, Y. N'oublie pas de tourner dans le virage. Ouais. Donc avec le joystick de gauche, bah... Ok, les jetons. Oh, putain, on a des jetons plus vite et nous ralentissent, d'accord. Ouais, il faudrait peut-être que je les vise. D'accord. La barre de slime est remplie jusqu'à que la compétence du chef est utilisée. D'accord. Donc on appuie sur X et il y a quelque chose. Voilà, donc j'ai un petit boost. Ok, donc c'est du slime. Ah ouais, c'est chaud quand même. Hein. Non. Un peu de pompage là quand même, non? Boating lessons, here you come. Bon, ça va, ça se fait assez bien. Ah, ça c'est quoi ça? Fais un pouvoir, appuie sur l'objet, appuie sur B, d'accord. Wow, SpongeBob. Ah, c'est pas mal ça, d'accord. Certains membres de l'équipe activent leur capacité lors d'une action est affectée. D'accord, B. Moi je veux du slime pour aller plus vite. Let me help. I have experience. Tu peux compter sur moi, je m'y connais things. En conduite. Bah, si tu veux. Squidward, I'm coaching SpongeBob. Sandy, j'entraîne Bob pour son permis. Alors le dérange pas, il doit se concentrer. Okay. SpongeBob, get his license. Je peux utiliser ça, un ballon. Bob l'éponge, avoir oh, le permis, je veux bien voir ça. Écoute pas, Bob, avec mon aide, c'est dans la poche. Bon, dommage que ça soit pas en français. Du coup, faut lire. Ça aurait été sympa de l'avoir en français. SpongeBob, it's my turn. Oh Bob, c'est à moi maintenant, c'est mon tour de t'aider. Et c'est pas de la triche. Hein. Keep at it, SpongeBob. Ok, and continue comme ça Bob, tu auras bientôt ton permis, je te le confie, Patrick. Yours, Patrick. D'accord. B, je peux rien faire. D'accord. Y pour freiner. L pour sauter. Non, on peut sauter quoi. Mais ça me rappelle quelque chose. Ah, c'est tout mou là. On est pas exprès hein. Là c'était tout mou. Peut-être fait pour le game. I know we'll get you your license this time, SpongeBob. Ah, j'ai pas assez de machin. Ah, c'est vraiment dommage. Donc ça fait ralentir, je suppose. Ok, là je peux pas utiliser. Ok. Un peu mollasson, je trouve. Après, ça fait. Ça essaye surtout. So graceful. De faire un petit peu mieux que Mario Kart. Est-ce que l'élève a dépassé le maître? Je n'en suis pas sûr. Pouah, j'ai du mal à jouer là. Ok. Pouah, je contrôle que dalle là. Niveau, ok. Elle sautait. Ouais, c'est bon, on a compris. Hein. Let me help. I know just what to do. Je peux t'aider, je sais exactement ce dont tu as besoin. C'est ma vocation. Bah, évidemment. I was born to eat ice cream. Je pensais que ma vocation était de manger de la glace. Puis Bob m'a demandé de l'aide. Hey, dis Bob, SpongeBob, je crois qu'on pourrait manger une glace après ça. Bah, évidemment. Patrick's. Hmm.
Carlos. T'as rien. Allez, dernier tour, et après on va peut-être pouvoir jouer quand même. Ouais, appuyer sur Y pour freiner et tout. C'est pas ça que je veux, moi. Oh, c'est mou, là. Hein. Ah, d'accord. On peut déraper aussi. Ah, du coup, on a du boost. Oh, ça me rappelle aussi quelque chose. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. D'accord. Donc, ça faut faire super attention. Ah, c'est chaud quand même, hein, si tu te mets à la place d'un petit enfant, là, qui débute. Attends, la prise en main de Mario Kart, ça va, mais... On va faire, par contre, j'ai du X. On va aller beaucoup plus vite. Ah, je me bouffe que le truc depuis le début. J'arrête pas de parler, du coup, il faut déraper, là. Et on peut pas sauter avec ça? Non, on peut pas. Ça saute sur la vague. Du coup, faut jouer de ça, voilà. Certains membres d'équipe peuvent activer leur capacité, d'accord. On peut glisser, drifter, waouh, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, le son est un peu chiant derrière de la voiture. Puis la musique, elle est pas fun. Ouais, c'est fini. Putain, on a terminé le didacticien ensemble, c'était pas mal. Je joue comme une daube, mais c'est pas grave. Là, pour s'éclater, pour découvrir, c'est mon premier run, hein, je vous l'ai dit. Hein. On peut taper le Tortue Ninja, j'ai hâte de voir. Vas-y, passe à autre chose là. Bombus peut être relancé. Ah non, on veut jouer là, mets-nous du jeu là. Dépêche-toi. Donc on peut transformer notre carte en une nouvelle moto ou bateau, naviguer sur tous les terrains. On peut personnaliser, on peut... Ouais, bah c'est pas mal hein. Mode solo, multijoueur, mode en ligne. Ah bah c'est impeccable. Bon, j'ai pas envie de jouer en ligne pour le moment, mais en multijoueur ça peut être sympa. Et mode solo, et c'est hyper. Bien jouer tout seul là, découvrir. Magnifique le vert, magnifique le fond vert. Rouler sur le slime, course libre, défi, arène, ouais, c'est pas mal. Franchement, il propose pas mal de choses. Hein. Bah, du coup, là, si tu veux incruster quelque chose, c'est maintenant quoi. Alors, vitesse de la ruée sur le slime. Nous, on va mettre moyenne, lente, je pense pas, mais on va essayer moyenne. On va pas mettre rapide pour le moment. Peut-être un autre épisode en mode rapide, mais pour le moment, comme je découvre le jeu. Oh, Garfield. Ok. Ouais, bon, on va commencer par Garfield, hein. Impeccable. Ah, c'est chiant, par contre, tout en anglais, là. Un peu chiant. Après, peut-être que... Ouais, pourtant, non, c'est bien écrit en français, donc y a pas de problème. Allez, vite fait, on regarde les personnages qu'on a de dispo. Donc, Bob Lepon, Leonardo. Ah, ouais. Lincoln, ok. Oh, Avatar. Bah, ouais, toutes les séries, ok. Ça, c'est le maître du feu. Lui, c'est Edward. La binocle. Elle, je sais plus comment elle s'appelle, mais tu vas me dire. Ouais, Suzy, voilà. Rocco. Rocco. Ah ouais, carrément. Ren. Ah, Jimmy Neutron. Ouais, Zim. Et Arnold. Garfield. Et Ismael. Ok, bah, d'accord. Et donc, on a tout ça à Unlock, à déverrouiller. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... On peut prendre le maître de levée. On peut prendre lui. Ouais. Je sais pas. Mais quel mieux? Je sais pas. Vas-y, on va prendre celui-là. Entre de l'air, une carte ou moto. Bah écoute, on a testé le carte, on va tester la moto ensemble. On va voir ce que ça donne. Et du coup, on a deux choix. On a ça ou ça. Du coup, on va prendre ça. On peut choisir les roues aussi. Oh, greetings, my girl. Et donc, le pot d'échappement aussi qu'on peut choisir. Oh, on peut tout choisir. Le standard. Ça, c'est quoi? Le style classique. Vas-y, on va. Tu proposes quoi? Ouais, ça change pas grand chose. Ok, te propulse vers l'avant en frappant avec sa crosse. Ah ouais, excellent ça. Attire les jetons vers toi et te donne un boost à chaque jeton. Allez, on va prendre celui-là. Parce que tout à l'heure, on avait déjà la crosse. Eugène, obtient un boost après avoir reçu un coup. Ouais. Donc il y a d'autres personnages. Oh, il y a Shredder et tout. Ouah, c'est énorme. Bah, tu, on va prendre lui. Du coup, on peut choisir. Bon, je prends pas les meilleurs, hein, mais je teste comme ça. Ok, tu finis de te préparer, ouais, X pour démarrer, et bah c'est parti. Ouais, c'est un petit peu long quand même pour te préparer, je l'avoue, mais... S'il éclate téléphone derrière, pourquoi pas? Faut voir un peu, faut torcher un peu le jeu. Là, la première prise en main, c'est pas fifou, hein, je te l'assure. Je m'y retrouve pas forcément, mais bon. Ouais, d'accord, maître de l'air, Ang. Let's get started. Yeah, started, yeah, come on. Let's go. Sinon graphiquement on est sur Switch hein. Après un jeu comme ça sur PC j'espère qu'il y a une meilleure gueule. Parce que sinon Ouh
ouais. Oh, j'ai un petit bateau maintenant. Ah, c'est un peu mieux quand même sans le didacticiel. Hein. Je te l'avoue là. Un peu plus fun quand même. Hein. Il faut que je récupère des slimes. Mais j'y arrive pas. Ah, je suis first. Oui. Et là, c'est quoi ça? D'accord. Comme il n'y a personne devant moi. Ouah, je suis seul. C'est chaud là. La moto, c'est pas mal. Hein. Viens, l'éclate. Vas-y, moi, je prends la, la rivière là. Moi, je suis. Oh oui. Ça sert à quoi ça? Ah ouais, oui. Ah ouais, bah, je crois que j'ai joué comme une daube. Pour changer. Casse-toi, toi. Hop. Et je suis premier. Deuxième tour. Putain, je les ai déjà tous éclatés. Mais non. Oh, le gars, il est pointu là. Voici enfin, pointu ça, je veux dire. Oh là, le bug. Ouf. Je suis troisième maintenant. Pose délire. Et j'étais first. Ouais, peut-être qu'en ligne c'est fun en vrai. Hein. Bon, après, je sais pas jouer, mais ça change pas grand chose. Ah, ouais, on a un petit boost là. Allez, casse-toi, toi. Ah oh, non, oh, je suis trop mauvais. Non, il m'a pris. Ok, pour l'instant, je peux rien lancer. Oh zut. Donc, ça, on dirait la carapace verte. Oh, j'ai du slime, purée. Allez, un. Encore un, et c'est bon. Yeah. Deuxième. Ok, super. Et si j'appuie sur X, là, j'ai... Oh, j'ai la totale, là. Casse-toi, toi. Je vais être first, allez. Petite run, là. La moto, c'est sympathique, hein. Franchement, j'aime bien. Attends, c'est pas... J'aurais pas mis un tour dans le nez, là, quand même. Po. Allez, on prend du slime à gauche, à droite. Ah, graphiquement, ça pique un peu là. On voit le frame rate qui baisse. Ah, c'est dégueulasse. C'est chiant. Moi, oh, je récupère des jetons, gros. Vas-y. Oh, c'est fini, je suis first. C'est magnifique. Et franchement, alors, la maniabilité, ça va. Moi, bon, faut être dans le game. Hein. Si t'es pas dans le jeu et tout. Au niveau des commandes, ça va. Par contre, ouais, c'est pas méga fluide. Hein. Du coup, 50 balles sur PC, ça me fait gâche de le prendre. Mais. Enfin, ça me, ouais, ça me fait un peu chier de le prendre. Mais si je le trouve pas trop cher, je vous ferai un essai de la version PC et voir ce que ça donne. Parce que là, sur Switch, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais chez moi, ça lag un peu là. Hein. C'est un peu chiant. Bah, du coup, c'est pas l'expérience est pas fluide, donc... Après, il n'y a pas de la grosse, grosse 3D. Hein. De dingue, quoi. Et des moments... Là, on le voit bien au niveau du foliage et tout. Enfin, c'est un jeu pour les enfants, quoi. Et c'est pas pour autant que... Plus on sait ce que la Switch ça peut donner, donc autant en profiter quoi. Oh, c'est quoi ça? Ouh, oh, je suis premier, je suis deuxième, je suis premier. Par contre, là, les slimes, on a du mal un peu à les prendre, c'est un peu dommage. Il faut faire quoi? Il faut sauter là. D'accord, donc là, je peux faire ça en même temps que ça. Ok, donc là, il y a plusieurs trucs. Ouais, l'effet de vitesse il est pas là. Oh. J'ai un boost là. Waouh, mais je suis deuxième encore. Quoi ce délire? Je sais pas jouer. Enfin, j'apprends à jouer là. Je sais pas comment il fait là. Oh, Arnold, reviens par là. Ma tête à claque. Ah, c'est pas Arnold, je croyais. Oh, t'as un point moi. Je suis encore deuxième, il est où l'autre? Pas possible, il est où l'autre? Bah, il est pas là. Oh, les rebonds qui font mal et qui me font perdre du temps. Je sais pas où il est le premier. Ah, il est là. Et Arnold, reviens par là. Ma tête à claque. Ok, la musique qui s'accélère pour le dernier tour, c'est pas mal. Ça nous rappelle quelque chose. J'aime bien. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, d'accord, tu vas plus vite mais... Moi je suis first. Moi je lui en ai mis dans les dents, Arnold. Ok. D'accord, là on peut changer. Le changement de véhicule est pas mal, ça se fait assez bien. Ça manque de fluidité par contre. Ça me... C'est dommage. Ça tue un peu l'expérience. Pour moi. Bah écoute, deuxième course impeccable. Donc voilà pour le test de Nickelodeon
Slime Speedway, donc Nickelodeon Kart Racer 3 Slime Speedway sur la Gata TV. Qu'est-ce que j'en pense? Au niveau éclat, c'est là, ça doit être bien au niveau online et tout. En solo, bon bah ça reste du solo et qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça, hein, c'est comme Mario Kart. Le solo c'est bien pour te apprendre le skill quoi et te professionnaliser dans Mario Kart. Au niveau des graphismes, c'est pas fifou, j'aurais attendu un peu mieux sur Switch. Ça je vous l'avoue. Au niveau des commandes, c'est jouable. Par contre, c'est un peu le bras parce que par exemple A sert à regarder derrière. Pourquoi A alors que y a d'autres boutons qui pourraient être plus assignés. Au niveau du binding, c'est pas trop ça. C'est un peu dommage. Pour le prix, c'est vraiment vraiment trop cher pour ce que c'est. Heureusement qu'il est moins cher sur Amazon, mais là sur l'eShop 40 balles, ouais, c'est de l'arnaque quoi. Tu te fais prendre le fiac gratuitement là. Donc, moi personnellement, non. À petit prix, pourquoi pas. Donc s'il y a une petite promo, je vous le mettrai dans l'espace communautaire, évidemment comme d'habitude. Ensuite, ce que je me suis éclaté, oui. Là en solo, c'était pas mal. Est-ce que je vais l'essayer en multi? Non, je pense pas. Et je pense que je vais essayer de vous proposer sur PC dès que je vais pouvoir, c'est à dire que dès que je vais le taper à un petit prix aux alentours de 5-10 balles, et si j'arrive qu'on me le prête, oh c'est quoi ce délire, ah ouais, d'accord. Donc voilà pour mon test sur la Gata TV, je vous dis à la prochaine, salut. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.